Les membres de la cellule de prévention et d'investigation, CPI, à Bassam, PHCOASI, le Comité national de lutte contre la contrefaçon, CNLC, organe de lutte contre la contrefaçon et le piratage dans les opérations d'importation, d'exportation et de commercialisation de biens et services sur toute l'étendue du territoire national a décidé de renforcer les capacités de ses membres. En effet, les membres de la cellule de prévention et d'investigation, CPI, du Comité national de lutte contre la contrefaçon ont bénéficié de deux jours de séminaire à Grand Bassam pour renforcer leurs capacités. Ce séminaire qui s'est déroulé au Wharf Hotel de Grand Bassam avait pour but de permettre aux membres de l'organe opérationnel du CNLC de mieux maîtriser la thématique de propriété intellectuelle. La contrefaçon en matière de propriété industrielle, et la contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique, étaient les thématiques qui ont été soumises aux auditeurs de la CNLC. Ce séminaire de renforcement de capacité a été également meublé par des cas pratiques au cours desquels les membres de la CPI ont été mis à contribution pour mieux appréhender les thèmes. Ainsi les formateurs avant d'entrer dans les détails des thématiques, a donné un « aperçu de la propriété industrielle et de la propriété littéraire et artistique » aux auditeurs. Il est revenu à Kevin Coffey, d'animer la deuxième journée du séminaire consacré à « la contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique ». Cet atelier avait pour objectif de donner aux auditeurs de la CNLC des rudiments afin de mieux appréhender leur travail quotidien. Kevin Coffey après la formation a confié que la formation avait pour objectif de définir les bases des droits d'auteur et des droits voisins ainsi que les principes fondamentaux qui soutiennent ce système. Comment ces droits sont exploités pour saisir les atteintes qui sont portées, comment les gérer et les réprimer était l'objet de cette formation pour permettre aux acteurs de la CNLC de mieux appréhender leur mission. Le formateur a fait savoir qu'avec cet atelier, des bons fondements ont été posés pour que les agents du CNLC puissent bien mener leur mission. Enfin, le coordonnateur du Comité national de lutte contre la contrefaçon, le colonel Jacques Dacoury-Driga a confié à son tour qu'ils ont beaucoup appris au terme des deux jours de formation. Un séminaire, ajoute-t-il, qui leur permettra désormais de rectifier le tir vu qu'il ignorait beaucoup de choses. Nous proposons d'organiser des ateliers pour mieux travailler. Il faut dire qu'aujourd'hui avec ce que nous venons d'entendre, nous allons plus constituer les contrevenants dépositaires, a fait savoir le coordonnateur national du CNLC Jacques Dacoury.